Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je danse pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4. Donc on se retrouve pour un petit glitch de la Goliath pour farmer l'expérience, les wheel spin et l'argent aussi, les crédits en illimité. Je suis avec le petit Gourandal pour mes fans, donc je vais vous montrer comment on fait le glitch de la Goliath. Vous verrez, c'est tout simple. Alors pour les gens qui regardent jamais les vidéos en entier, regardez-la jusqu'au bout, parce que sinon vous allez encore me dire que vous n'avez pas compris je sais pas quoi. Regardez la vidéo jusqu'au bout, c'est simple comme bonjour, ou comme au revoir, ça dépend si t'es vénère ou pas, tu vois. Bref, on va commencer direct dans le vif du sujet. Donc déjà la Goliath, pour ceux qui ne l'ont pas débloqué, pour ceux qui sont pas niveau 20, pas de panique les gars, si vous avez un ami qui est niveau 20, vous pouvez faire ce glitch avec lui. Donc suivez quand même la vidéo, et si vous n'avez pas d'amis, continuez à regarder la vidéo, essayez de trouver quelqu'un qui peut le faire avec vous. Je vais vous montrer un truc tout simple. Vous avez pas des, on va dire que j'ai pas débloqué la Goliath. C'est tout con. On va dire que je l'ai pas débloqué. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans interface de création, épreuve de personnalisation, et après je cherche la course de Fragmatique, donc en l'occurrence la mienne. Je peux pas la trouver parce que c'est la mienne, donc forcément voilà, c'est un peu compliqué. Mais là vous cherchez la mienne, elle s'appelle Gogo XP, vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure. Elle est tout paramétrée pour le glitch. Donc vous n'aurez plus qu'à la choisir, à la lancer avec votre pote, en convoi, dans votre convoi, et c'est bon, en JCJ. Voilà, c'est parfait, pour ceux qui n'ont pas la Goliath, comme ça vous pouvez quand même profiter du glitch, il n'y a pas de problème. Là, je vais montrer toute l'étape pour ceux qui ont la Goliath. Donc regardez, c'est pas compliqué. Là, vous avez invité votre pote en mode convoi. Pour l'instant, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai invité le petit Gourandal en mode convoi, donc il est dans mon convoi. Là, on est sur la Goliath, on va lancer la Goliath. Là, vous mettez bien JCJ, sinon ça ne marchera pas. C'est pour qu'il soit contre vous, en fait. Là, vous mettez... Voulez-vous envoyer cette invitation à mon convoi? Parce que sinon, il y a d'autres gens qui vous rejoignent en multi. Et ça va être relou. Du coup, vous pouvez pas faire le glitch. Voilà. Là, je vais dans épreuve personnalisée parce que moi, j'ai déjà créé la mienne. Il faudra sélectionner celle-ci pour ceux qui n'ont pas la Goliath. Ou ceux qui n'ont pas envie de se faire chier à créer une Goliath, tout simplement. À créer une personnalisation. N'hésitez pas à aller sur ma course et celle-ci à la liker si ça vous fait plaisir. Moi ça me fait plaisir aussi. Elle est paramétrée, donc c'est une Goliath en 50 tours exprès pour ce glitch. Donc je sélectionne ma Goliath. Après comme voiture vous pouvez prendre celle que vous voulez, mais moi je prends celle-là parce que j'ai débloqué tous les avec toutes les prouesses, j'ai tout débloqué. Du coup j'ai 200 000 d'influence en plus parce que j'ai 200% je crois par course de bonus d'influence. Et là vous voyez qu'elle a un boost d'influence d'épreuve, donc je gagne 200 000 en plus. Donc 200 000 c'est quand même pas négligeable. Là j'ai sélectionné ma voiture, ça invite Gwendal qui est dans mon convoi. Donc il va rejoindre l'invitation et il va choisir sa voiture. Jusque là les gars, il n'y a rien de compliqué. Vous stressez pas, vous inquiétez pas. C'est pas un glitch de duplication ou c'était un petit peu de la chance ou quoi. Là il n'y a pas de facteur chance. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de facteur chance de est-ce que t'as un karma de ouf et tout. Moi j'ai un karma de merde, donc voilà, vous voyez que tout le monde peut le faire, ça marche. Vous allez voir après mes récompenses, comment je vais toucher, c'est vraiment violent. Franchement tu fais ça en 5 minutes, c'est violent. Alors que normalement la course tu l'as fait en 8 heures, les 50 tours de Goliath. Donc forcément pour gagner tout ça il faut mettre 50 tours, pour ceux qui veulent créer la personnalisation. Il faut mettre équipe, oui, aussi, et après il faut se mettre, au tout début quand ils te demandent, il faut se mettre en JCJ. Sinon ça marchera pas. Faut que ces trois conditions soient réunies, sinon ça marchera pas. Ce qu'il faut qu'en fait votre pote, vous soyez dans l'équipe rouge et lui il faut qu'il soit dans l'équipe bleue. Et en fait c'est là que tout va se jouer. Quand votre pote il va quitter la partie pour que vous ayez les récompenses, c'est à faire comme si vous avez fait les 50 tours, ça vous comptez, la course gagnée terminée en fait. Vous allez voir. Et là regardez, il est dans l'équipe bleue, je suis dans l'équipe rouge. Regardez, je vais faire 2-3 mètres. Gwendal il va quitter. Voilà. Là, Gwendal, il va quitter la partie, il est dans le menu pause, il va quitter. Et voilà, ça me met comme si j'avais gagné la course, en fait, comme si j'avais fait les 8 heures de course. Alors que j'ai fait ça en 5 minutes. C'est vraiment tout con, mais fallait y penser. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, d'ailleurs. Parce que je suis un peu teubé, je pense. Et regardez. Première position, 1 800 000, bonus, VIP 1 800 000, et l'autre 1 800 000. Regardez, voiture édition Forza, 178 000. En plus, c'est quand même pas mal, hein. Donc du coup j'ai peut-être passé prestige 2. J'étais déjà prestige 1 niveau 94 avant de faire ce glitch, je préfère le dire quand même. Parce que j'ai quand même un petit peu squatté, je vais pas vous mentir. Mais là voilà, ça peut vous donner vraiment beaucoup de tirage. Et pour l'argent c'est quand même violent parce que là j'ai gagné 5 300 000. Et en influence j'ai gagné plus d'un million quoi, donc c'est quand même violent. Donc vous voyez je suis prestige 2, niveau 11. Enfin c'est quand même vraiment violent.
Donc voilà, en tout cas, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager en masse pour montrer ça à tous vos potes, tous ceux qui ont envie de... Même si vous le faites qu'une fois, vous gagnez quand même 5 millions, vous pouvez vous faire un petit plaisir, vous pouvez vous acheter une petite Veneno. Je dis pas que vous êtes obligé de le faire 50 fois, mais tu peux le faire au moins une fois, comme ça tu gagnes 30 ou 40 niveaux, selon où t'en es dans tes niveaux, et tu gagnes un petit 5 millions, tu vois, tranquillou, histoire de te mettre bien, pouvoir acheter une petite voiture ou acheter une petite baraque, tu vois, tranquillou. Je dis pas que t'es obligé de farmer à mort. J'ai farmé un tout petit peu, j'ai passé presque de... J'ai presque passé, pas un prestige encore, parce qu'il faudrait que je monte niveau 94, mais c'est déjà pas mal. Comme vous voyez, je suis à 49 millions de thunes, et Horizon Life, j'ai 400 wheel spin. Voilà, donc du coup, je vous en ouvre un pour le plaisir. Si vous voulez, j'ai créé un club, bah, c'est Frag69, le club, vous pouvez pas vous tromper. Envoyez-moi un message, d'ailleurs, si vous voulez que je vous invite dans le club, il n'y a pas de souci. Le club, c'est celui-ci pour ceux qui veulent le rejoindre. Il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à le rejoindre. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker en masse et à mettre des commentaires si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis ciao, la bise, les gars. Il y aura dans la description la chaîne de Gwandal. N'hésitez pas à aller voir pour lui faire plaisir. Sur ce, je vous dis ciao, la bise, les gars. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Salut, les gars.